cochon. Un cochon de furieux. C'est ce que les Ricky dit ça. Eh oui. Ça craint parce que il y a que 10 joueurs. On est 10 ici? Non, on est plus que 10. Non, on est beaucoup. Plus que ça. 7. Non, vous avez bien eu, on avait celle de V2, aucune île. C'est ce que les Ricky dit ça. Il y a que 10 joueurs. On est 10 ah, ici? Oui. Les KB2. Ouais, putain, c'est le prix ce truc. Mais j'ai mal joué, hein. Il était bien one shot. Ouais. Lol quoi. Putain, le TS là, il y en a partout. Oui. Les jeux. Ça gueule bien. Bon. Qui n'a perçu son invite? Bah, moi, Ludis 56. Moi. Pyrolis. Toujours en game aussi. Rico, toujours en game, hein, j'attends toujours mon char. Bah, ouais, c'est bébé. Moi, je télécharge toujours le client. Judy 56. Elle a envie de prendre ça aussi. T'as mis combien de temps pour la salle d'entraînement? Une demi-heure, je crois. Il faut quand même mettre des obus parce que le véhicule sélectionné n'est pas prêt. Ça passe sans obus. 30 minutes. On va en mettre un. L'obus symbolique. Il faut quand même mettre des obus parce que le véhicule sélectionné n'est pas prêt. Il y en a un qui veut pas sortir de l'entraînement. Il fait des tours. C'est Miguel. Ouais, je pense. Ouais, oui. Ou c'était Mickaël qui vous a le merdier. Tu t'es arrêté quand même? Même pas. C'est toujours lui. Mais on renvoyait la vite. Moi je suis pas invité. C'est Mickaël. Ouais je pense. Oui. C'est bien parce que... Ah eh, moi je vais censé être tous dans la liste. Scurry. Nico 12, je suis pas invité. Psyrodis non plus. Mais je peux pas si je mets pas d'obus, Lido. Je suis pas invité. Non bah c'est ce que je disais. Bon, c'est pour ça. Parce que je vois pas connecté en fait. Sur le jeu connecté. Ouais, il veut pas que j'accepte. Il veut pas que j'accepte. Parce que je vous ai tous envoyé une demande d'amis. Et j'ai même pas ça moi. Non, moi pas accepté. Moi j'ai rien. Je peux pas accepter. Oh la loose. Okuni là. Il faut mettre des obus. Il y a pas le choix. Ah moi j'en ai pas sur le jeu. Ouais, moi je. Marqué offline. Okuni, je t'ai mis en ami Vico 12. Voilà, c'est bon, j'ai décoché Masqué Orline. Ça devrait fonctionner. Le but du jeu, c'est de gagner, c'est ça? Ah, ça y est. Invitation à rejoindre la salle. Oui, tu peux perdre, hein, mais bon, voilà. C'est toi qui vois. Ah, c'est une petite question. Ah, mais je t'avais en ami Okuni, mais quand? Non, mais c'est bon, voilà. Ouais. C'est... Par contre, lui, il va là. Donc ça c'est bon. C'est dans le VGV pour voir. Le même technique. Non mais c'est bon. Voilà, ouais. Pour mettre presse en munitions. Bah tu montes en main et c'est bon. Si c'est vraiment pas possible, bah tu mets des obus et tu tires pas. Bah y'en a qui ont réussi donc ils ont une technique. Là je suis dans la... Ben aucune technique, ouais, j'ai enlevé les obus, j'ai mis presse, ça a marché. Ah moi ça marche pas, je suis obligé de mettre dans la salle ou pas? Bah tu montes en main et c'est bon. T'as toujours pas mis combattre, c'est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la touche de tir sur mon clavier, comme ça. C'est ce que j'avais fait la dernière fois. T'as pris le SU-26, c'est là. Oui, bah c'est pour ça. Non, mais je voulais voir avant de faire une connerie. Parce que la dernière fois, j'ai pris un char, j'ai fait combattre et je me suis retrouvé en bataille, alors... ok. Je préférais pas faire le con. Je prends un char de merde. Je prends mon char de merde et... Non, bah je suis obligé de remplir d'obus, tant pis. Ouais, bah moi aussi. Pareil, j'ai pas mis tout, hein. J'en ai mis 120 sur la totalité, c'est bon. Ah, j'ai essayé 10, 20, 30, ça marchait pas, donc j'ai mis le maximum. 120, moi j'ai mis 120, ça passe. Oh, 0, ça passe aussi. Non, y'en a qui ont des chips, c'est pas normal. Ouais. Mais mettez-vous prêt, on va faire d'abord un premier test pour tester le mode. Rien d'autre, hein. Ça, je le dis bien, c'est pour ceux qui ont mis des cons au gold. Ah oui, comme t'as dit le mot, c'est bon. Comme t'as dit ce qu'il fallait, le mot fétiche. Voilà, c'est bon. Pour ceux qui ont mis
Ouais, c'est bon. Je vais payer 40 000 pour rien. Brian, t'as mis un tir dans la colonne des présents pour Croco. Pourquoi? C'est quoi le troisième? Surprise. Surprise. Voilà. Des Alps. Bon volé. Ah. Ok. Attends. Le MX-50B, ça va être chaud, on va le faire ramer quand même. Mais il est pas là, Croco. Faut que je demande un truc. Avec le PZ1C, avec le canon, là, je suis obligé de mettre au moins 60 obus. Ouais, on est tous obligés de mettre des obus. Ouais, ben 60 au minimum, donc j'aimerais bien savoir si on a le droit de les tirer au tout début avant que la coupe commence. Les tirer dans le sol, comme ça après il y aura. Mais c'est bizarre qu'il y en a qui puissent en lancer 100 mètres. Non, mais parce que Gina a des hacks et puis voilà. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y arrive aussi alors? Ouais. Normalement, c'est vrai qu'on peut partir sans obus. Moi, j'arrive pas. Bah oui, moi, je peux pas. Pas d'obus. Oui, oui, moi aussi, c'est pour ça. Ouais, donc je voulais savoir si est-ce qu'on avait le droit de tirer parce que j'ai 60 obus et tirer dans le sol au tout début. Enfin, oui, si tu veux, ouais, au tout début, ouais. Pour vider ton râtelier, ok. Bon, bah, mais va pour Judy, tu te mets devant moi, Judy, comme ça je vais le vider, mon barrière, t'inquiète. Ça va aller plus vite. Moi, je vais les garder comme ça si je suis dernier. Putain, c'est vrai que t'as le réflexe d'appuyer sur le clic aussi, c'est ça le bordel. C'est très cool. Ah oui, bah, parce que je serai avec mon chat et je me ferai un plaisir de t'envoyer un obus dedans. J'ai envie de toucher déjà. C'est ça la problématique. Du coup, on peut lancer là, non? T'as déjà vu un jeu d'hier où t'avais pas le droit de tirer, toi? Absolument. T'es frustré. Bien pouvoir enlever le canon du tank, comme ça il sera plus léger. C'est clair. Donc, je dis bien, hein, c'est un test, on regarde juste pour le mode. Ça marche. Ouais. Ouais, moi, je vais faire ça. Non. Logiquement, on est full. Hein, en fait. Bon, moi j'ai pas le mode, c'est parfait. Si tout le monde vient, on est full, oui. Mais. Là, je vois le mode. Oh, c'est bizarre que je l'ai pas, moi. Je l'aperçois sur la mini carte. Bah, normalement, si vous voyez sur la mini carte, vous devrez le voir en jeu aussi. Il y a une. La ligne de départ qui est en J6 et un tracé jaune qui commence en H6. Ok, est-ce que je suis un spectateur? Que ça me fait peur? Bah, normalement. Non, normalement, tu vois quand même. Je le vois sur la mini carte, mais je la vois pas sur le réel, déjà. Avance un peu pour être sûr. Ouais, mais avance un peu, je lui dis, ouais. Ah, H6, ça commence, ouais. Oh, c'est tellement beau. Il y en a qui commencent derrière. Ah, si, si, c'est pas équilibré. Allez, t'es en bas de la côte là. Ouais, donc, allez en H5, G5, vous devrez voir le circuit. Oui, j'ai une question par rapport au passage en ligne, en colonne 3. Pour tout ce qui est du circuit, on verra ça après. Là, on regarde juste le mode. Ok. C'est bon pour le mode? Ça y est, j'ai plus d'obus. Ça marche. Je crois 100, je pense. Genre que j'ai pas d'obus, toi. Ah, mais je crois que si j'ai de la chance, j'aurais besoin de recharger les munitions pour. What? Moi j'ai pas vu s'il fonctionnait, j'étais pas. Poussez pas, mon dieu! Mais le but du jeu c'est d'avancer, Guinan! Ouais, mais Mickaël il avance pas! Dès qu'il. Oh, quand ça! Oh la vache! Il avait pas perdu un point de vie! Ah, j'étais premier là! C'est bon, il est en reload, il est en reload! J'étais premier! Bon, allez, retour garage! C'est de la triche, ouais, je suis premier. Ils sont deux cons. La partie est pour rien, là, hein, c'est ça qui est bien, vous pouvez le percer. Il est où, lui? Il est ici, toi. Je te perce un peu les ailes. Ouais. Merci, Brian. La partie est pour rien, là. Hein. J'ai pas vu si fonctionnait ou pas. 40% en chance de victoire. N'importe quoi, ces pourcentages. Donc là, on commence à voir. Alors, hop. Là, c'est bon, on remet tout ce qu'il faut. Là, on va se préparer, mais on attend encore. Hein. Il est 49, donc j'attends les retardataires. En fait, j'ai une idée pour plus avoir de balles. D'ailleurs, on devrait tous faire comme ça. C'est qu'on met tous 60 balles. Non, mais laisse tomber. Les accords des plaisirs, là. Laisse tomber. On décoche rechargement automatique des munitions.
Et on fait une partie, on tire tous nos obus et après il sera pas rechargé. Non, il redécolle pas. Ah bon? Ouais, il va te remettre maintenance. Oh merde. C'était what Simo, est-ce que tu as cliqué sur le bouton CM3 qui se trouve à gauche de combattre? Non, il redécolle pas. Je sais pas si... On nous entend en fait. Est-ce que tu as cliqué sur le bouton CM3 qui est à gauche de combattre? Je sais pas si... Bizarre, hein. Simon Dobu dedans. On nous entend en fait. Artung. Ça va avoir un problème. Ouais, normalement il vient. Ok, Simo. Ouais, sauf que j'aime pas parler à quelqu'un qui sait pas me répondre, ça me perturbe. ouais, normalement il vient. Ok, Simo. Nous, jouer avec des Gilbert Montagné dans notre équipe, ça nous perturbe. Hein, Scléry, c'est vrai. Bon, tu peux toujours lui parler, elle est partie alors. Ah bon, ben voilà, c'est pour ça qu'il y avait du calme, j'entendais plus rien. Il manque quelqu'un, bah ben voilà. Nous, je vois des Gilbert Montagné dans notre équipe. Les femmes en moins, ça s'entend tout de suite. Tu vas fermer ta grande gueule, toi? Non, t'es en plus de Comment que tu parles à ton commandant, toi? Ex-commandant. Ex. Bon, c'est toujours dans les 100 clans fixes, il est toujours le chef. Voilà. Oh ouais, avec la grande gueule qu'il a, c'est normal. Bah oui. Vous avez déjà rejoint la salle d'entraînement. Bah oui, on va pas. Il serait capable de réaccepter, lui. Voilà. Bah oui. On le faisait pas pendant un moment, ça. Bon, c'est dans la compagnie. Pour ceux qui ont le mode qui bug, j'ai pas de solution. Bah vous suivez les autres. De toute façon, sur le forum, vous avez les minimaps, donc avec le circuit de chaque map. Donc je vais vous filer le lien. La première course se fera sur ABI. Moi je vais donc, vous allez gentiment vous aligner sur la ligne de départ, donc qui se trouve au sud de la map. Une grande ligne sur la zone. Et au top départ, donc je donnerai un compte à rebours. Au top départ, donc vous commencerez sur la ligne jaune. Vous continuerez tout droit pour continuer sur la ligne verte. Et à ce moment-là, sur la zone, sur le circuit vert, vous faites 3 tours pour ABI. 3 tours, au troisième tour, vous continuerez alors sur la ligne rouge jusqu'à la ligne d'arrivée. Il y a quelqu'un qui fait le décompte des tours ou pas? Ou faut qu'on compte nous-mêmes dans notre tête? Comptez vous-même et nous on vérifie. Parce que moi, après 1, c'est 3, moi, hein, c'est direct. Y a pas de... J'ai pas appris les chiffres pairs. Eh ben, écoute, si jamais tu vas. Alors t'en fais 5 alors que t'as pas fait 3 tours, ben. t'es un bad chat dans le cul, quoi. Ouais. D'accord, ok, non, bon. Non, mais sinon, on peut se cacher dans la bille. Tours, on peut se cacher dans le coin à droite de la bille, je sais pas. J'ai pas appris les chiffres. Non, non, mais bon. Non, bon, ok, on compte nos tours. Tu fais 5 tours, Syrah. Tu comptes 5. Alors, niveau point de passage, donc les endroits où vous devez absolument passer. Vous avez sur l'abbaye, vous devez passer donc entre les arches, comme on avait fait la partie là juste maintenant. Ensuite, continuez à l'ouest et longez le bord du lac. Vous pouvez bien sûr aller dans l'eau. Il va y avoir cependant un batchat qui sera à un endroit, enfin vous pourrez pas le rater, ou forcément qui va vous bloquer un passage. Donc à vous de faire en sorte de passer à côté. La question que j'avais par rapport à ce passage, c'est qu'en fait, la ligne verte est dans l'eau, enfin c'est à moitié dans l'eau. Oui. Par contre, tu peux passer sur le bord en longeant les maisons. Et ben justement, tu auras un batchat là. D'accord, donc c'est possible, mais il y a le batchat. C'est ça. Ok. Voilà.
Et si on pousse le bat-chat? Ah non, mais attends, c'est difficile. Qu'il y a un bat-chat qui bloque le passage. Tu peux essayer de pousser le bat-chat, peut-être que t'auras, t'auras fait le max de dégâts sur la partie, tu vas peut-être gagner un point. Si le bat-chat tombe dans l'eau et meurt, est-ce qu'on a 1800 dégâts? Ok, ça marche. Auto-win. Si t'arrives à noyer le bat-chat... Ouais. Et on s'y met tous et on se pousse, hein. Ouais, ça devrait le faire. Révolution. Myrin, on peut se voir en privé pour les 10 000 gold, s'il te plaît. Ouais, ça devrait le faire. Révolution. Myrin, on peut se voir en privé pour les 10 000. Ah, Big Mammouth est là. Ah, c'est bien au niveau de l'eau. On dirait que ça marche. Ouais, ça marche. Par contre, il va falloir... Ouais, t'as un écho, donc tu dois absolument mettre le son dans ton casque. Ouais, ok. Ou alors tu te mutes. Hein, mais... On se croirait dans une cathédrale. Il y en a un qui joue dans ses chiottes. J'entends un petit lol. Il joue sur le trône, il est pas emmerdé comme ça. J'ai un lit. Mais y'a vraiment pas beaucoup de gens, c'est bizarre. Ouais. Ouais, bah c'est... ça fera plus de gueule pour vous. Hein. Autant mieux. Ouais. C'est dommage. Là, c'est la vraie course. C'est la même chance, comme ça. Ouais, ouais, là, on va commencer la vraie course. Donc, mettez les consoles que vous voulez. Ouais. Non, vous. Pourquoi tu m'as changé d'équipe? Tout beaucoup, hein. Que j'équilibre. Ah, mince. J'aurais préféré rester en face. Moi, je t'ai dit qu'il fallait être du côté du bat-chat. Il y avait bat-chat des deux côtés, hein. Non, mais je veux être dans l'équipe du bat-chat. D'ailleurs, tu me fais bien d'y penser, c'est pas le 50B que je dois prendre. Ah, parce que je me disais, le T32 était pas assez gros la dernière fois, il fallait... Ah, mais il y a deux bat-chat, merde. Ça change rien, en fait. Ouais, ouais. Ok, donc, on est 16, on est vraiment 16 ? 11 ? Oui. Ok. On voit une dernière fois les invites. Oh, attends, t'arrives. Oh, bah c'est mort pour moi alors. Ok, donc... bah écoute, si tu te dépêches, je peux t'inviter pour les prochaines courses. Ah, j'ai une question sur un bah, le client là. Est téléchargé, mais moi, c'est les mises à jour, je suis à 73%, 74%, 75%, ça va. Ok. Tiens-moi au courant, proper. User left your channel. Au niveau de la ligne jaune, il me semble. Oui. Faut vraiment bien la suivre ou on peut couper? Non, pouvez aller tout droit. Donc il y a juste quelques points de passage obligatoires, hein. Donc il y avait l'arche, il y a le long du lac, et puis le croisement de la ligne jaune avec la ligne verte. Ce point-là, vous devez passer par là. D'accord. Sinon, bien sûr, aller au plus court ou pas, c'est à vous de voir. On peut faire une ligne droite départ-arrivée aussi? Non. Tu peux le tenter, je pense. De toute façon, si tu prends un obus, tu dis tiens, je me suis trompé. J'ai mordu la ligne. Ah, moi je me laisse partir et je passe le couloir de la mort. T'as compris, Sirap, il y a une maison sur la ligne jaune, tu peux la contourner. Je peux la contourner, ouais, bah oui. C'est pour ça que j'avais du mal sur Overlord à passer le bunker. J'arrivais pas à le soulever. Alors, pour le début. Ceux qui sont au sud, donc vous vous mettez bien en ligne et vous attendez ceux du nord qui vont venir. On ne se pousse pas, on ne se tire pas dessus évidemment. On attend que tout le monde se mette bien gentiment en ligne. Et seulement au top départ, là vous pourrez vous ramer. Et bien sûr, tir interdit. Hein ? Ça c'est ballot. Oui. Hein. Je sais pas pourquoi, mais si arrive à te faire dessus. Ah mais c'est le réflexe. C'est... J'aime bien faire des spiraliers en plus, moi. C'est tir fratricide. Puis là, c'est le moyen de pas se faire ban. Tu expliquer les règles ou pas? Et alors, comme dit Zakodag, vous pouvez balancer, enfin vider votre atelier avant que la course commence, sans tirer dans
vos copains, évidemment. Donc dans le sol ou dans l'air. Ou alors changer de touche. Ouais. Ou pas mettre le doigt dessus, mettre du scotch, je sais pas. Voilà. Enfin, faites comme vous voulez, mais vous pouvez vider votre barillet, mais donc avant le début de la course. Ouais, bah, je parle, il y a 100 obus à tirer, ça va être chaud. Tu peux en prendre 60, ça passe. Ouais, bah tant pis. 0 ouais, 60, aussi. Ça passe, ouais. Un 0, bah, vous changez la main, ouais, ça ira bien. Y en a, ça marche avec le Warpack, je crois. Y'en a qu'on les cheat là, c'est pas normal. Ouais, Guinat, ouais, t'as un cheat code. Ouais, ouais, j'ai un cheat, ouais, au bout des ouais. Ok, tout le monde est prêt? Oui. Ouais. Oui. Bah, du coup, moi je me switch pour commenter rapidement. Bonne chance, les filles. Ça marche. Merci. Ça marche. Merci. Bonne chance, la pute. Moi je suis un garçon. Ok, hein. Bon, personne a dit non, donc c'est qui dit mot consent. C'est parti. Non. Ok, donc ceux qui sont côté nord, vous pouvez avancer colonne 6 pour rejoindre le point de départ. Ouais. Voilà, je parle, j'ai soif maintenant. Ouais. Pourquoi des Panzer 1C et pas des BT2, okay, par exemple? Parce que... parce que j'aime bien le Panzer 1C, c'est un char rapide et voilà. Et qu'il aime pas le BT2. Ouais. Peut-être la prochaine fois, on pourrait tester avec le BT7. Oh non, faut jouer avec l'équipage. J'ai plus de barres, j'ai plus de munitions. Ouais, toi, là, oh là, là. Ok, donc mettez-vous bien, hein. Enfin, je vais quand même pas partir en marche arrière, ce serait dur. Brian, tu vas te mettre en position. Un petit piquant. Ouais. D'ailleurs, tu devrais faire une course troll ou on part en marche arrière. Ouais, c'est moins intéressant quand même. Hein. Avec autorisation de se retourner au départ. Ok, donc vous pouvez vous mettre sur toute la zone de la bande de départ. Vous mettez comme vous voulez, du moment que vous êtes dans la zone. Speak, ça l'acte donc vous pouvez vous mettre. Y a quelqu'un qui a déco? Ah, Vico. Par contre, je suis dans le garage, tu m'envoies la vie, je peux vous rejoindre. Ben, ce sera trop tard, c'est lancé. Game. Donc vous mettez comme vous voulez, et alors je donne le top départ à 28 minutes 15. Voilà, à 28:15, c'est parti. J'ai même pas combien de tours sauf. Merde, j'ai écrit 25, c'était 28, c'est pas grave. Complet. Oh le bordel. Ah, ça va être le gros bordel à l'arche. C'est bon, t'es placé comme il faut. Oh là là, le bourrinage. Ah, pourquoi il y a un PZ là? Non. Pourquoi il y a un Batchat là? C'est pour décorer. C'est beau les Batchat. Ouh là là. Ouais, il y a... Il y en a qui se sont écrasés. T'as qu'à casser ça. Ah, c'est Mickaël. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y en a qui s'est détraqué, on lui a tous rentré dedans. C'est moi qui a détraqué. Ouais, il a morflé. Bah, je suis exprès. Détraque, comme ça je perds pas de points de vie. Ah. Et les points perdus grâce à moi, c'est en magazine pour moi ou quoi? On verra à la fin de la bataille. Ouais, ouais, parce que là j'en ai pris plein pour moi. Là. Tant mieux alors. Bah, grâce à moi. Premier tour. Plus spot. Merde, ça monte pas. Rien dans le gilet, ce chat. Ton dieu de merde.
Pourquoi? Oh, Dieu. Toi. Ouais. Ça va mal se passer. Je sens des tracks derrière moi. Zimbrek, t'as pris un mauvais chemin. Viens, Zimbrek, je t'attends. Bien, mon coquin. Donc, Zimbrek, t'as pas pris le bon chemin. Sorry. Alors. On arrive au deuxième tour, là. Oh putain, la blague. Même pas grimpé. T'es parti au Cuny, t'es plus au milieu. Encore un tour là. Je bouge, moi, je voyage. Donc il y a encore un tour complet en plus de celui-ci. Ah merde, j'ai failli me faire écraser là. J'ai oublié mon kit. Tu sais pour combien de t'es. Heureusement que t'es un allié, toi. Un qui pourrait faire les décomptes. Ok, en tête. On ton compte. Ah, décolle. Y'en a qui ralentissent exprès là. Ça calme là. Tu sais qui est premier? Je sais plus. Putain, le oh bah voilà. Fumier, toi. Viens ici, Mickaël. Petit con. Bon, là, c'est le dernier tour. Je crois que c'est. Grosse couille, le Badchat, il se garde n'importe où en plus. Oui, encore un tour. Oh bah merde, encore la chute. Nous, c'est le dernier, nous, là. Pour nous, c'est le dernier, on arrive. Oui, ouais, c'est déjà passé deux fois, franchement. Bravo. On dit GG. Si moi le Chunk en fait il est dernier, c'est ça? Ah, ouais. Je crois qu'il est dernier. Ah, il touille, le pauvre. Yeehaw! Ouais, Kraken il m'a ralenti, hein, il a triché. Putain! Allez, hein! C'est quoi, emmerder les autres quand on a terminé? Ceux qui ont terminé, vous pouvez vous emmerder entre vous. Il y a eu un char! Oh, je ah, mais du coup, les dégâts ça compte à la fin. Je sais pas. Oui, absolument. Il y a 3, compté 4, les 5. Allez, toujours au pot de chat. Il voit qui a terminé. Merde. Faut le taper. C'est qui a compté les places d'arrivée? Ben justement. La fini avant, si on peut la taper normalement. Sur le... Il y a le replay, hein. Qui le premier? Ah non. Kraken est arrivé en près deuxième place. Il veut pas. Ah, il veut pas. Hein. La deuxième c'est Rico Boss. Rico Boss. Ouais. Qui a essayé de me. Comment dire? Non, Kraken il s'est collé à moi, il a pris exprès. Déjà c'est toi qui me collais, hein? Déjà. Non, j'étais devant moi. Il est parti. J'ai jailli. Le bon point bonus, le point bonus. Tu pas vu du groupe, je suppose. Les 45 balais, qui a mieux que moi? Qui a fait le dégât pour l'instant? Ouais, qui c'est qu'il y a? On va savoir. C'est Ditto là, on a fait un tour, on a mis un tour dans le nez. Quand même fait 150 points de dégâts. Ah bah oui, non, j'ai fait 215 moi. Ouais. Non, bah oui, mais ceux de l'arrivée, ils sont dedans. C'est la mangue. Moi je pense que c'est le Batchat qui a fait plus de dégâts. Mais tu es Guinade. C'est tu es Guinade, bon sang. Bah je sais pas où il est. Ah, il est quasiment fou. Derrière toi. T'es derrière moi. J'étais. Ah oui. Ouais mais les verts, tu as du mal à, dans ton équipe à leur faire des gros dégâts. Quand tu les rames. Ah du coup ça, on additionne les dégâts alliés et...
Bien, Sierra, bien. Ah, j'en ai pris une quand même. Ah, duel des bat-chats. J'ai pris une boulette. Mais c'est le bat-chat qui vous tue. Aïe. J'arrive quatrième, moi. Y'a quelqu'un qui est quatrième ou alors quoi? Oui, s'amuse. Pire pigeon. Je crois que c'est moi le quatrième. Bon, je sais pas. Wow. J'arrive après Mickaël, moi. Moi, je suis arrivé le cinquième. Moi, je crois que je suis avant-dernier. Non, Mickaël, on a fait la course ensemble. Il relaie après toi. Pourquoi? Tu le colles trop, il a dit. Bah, j'ai fait exprès, s'il fait une connerie comme ça, je c'est le pousse. C'est ce que je lui ai dit. Il faut encore tuer Judy. Mais il a run, des baby. Tu me diras, j'ai cassé ma chenille, il s'est scratché sur moi. Il était coincé en... Ah, vous voyez, je voyais ses points de vie diminuer. Judy, ça marche, lui. Ça y est, c'est une tiare de Panzer 1C, là. User joined your channel. Vous jouez à cache-cache? Ah oui. Il a eu du mal, hein. Chérie, t'as pas assez d'obus pour le tuer, là? Et lui, il sera en reload. Non, j'ai quitté la bataille. Ah merde. Bras, rouge, toute la bataille aussi, comme ça c'est plus rapide. Alors, comme je suis un boulet, j'ai pas vraiment vu qui étaient les 5 premiers, donc. Alors, attends, je vais te dire. Franco premier. Donner les 5 premiers. Kraken, Rico Boss, Miraria. Attends, pas si vite, Bruxelles, donc, et après 5, Nazulu. Zakodak 2 points. Et qui c'est le dernier? Nazulu, je crois que c'est quatrième. Et après c'est Warfar, après c'est... Nalio, un point. Ah, ok. C'est bon? Une erreur toute conne en plus. Ouais. Je lance le jeu, ça a bugué. Donc, pour ceux qui veulent, je vous mets le lien du classement. Vous avez quitté la partie? Oui. Oui. Non, mais tu mets le classement 5 premiers, c'est tout? Oui. Ouais. Et juste voir alors celui qui a fait le plus de dégâts. Donc pour ça, j'attends la fin de la bataille. Tu mets ça sur le site pareil, forum. Ouais, la bataille, elle a crash. Peut-être attendre un peu. Bayrin, t'es là? Ouais, c'est mis dans le classement. Dans le classement, c'est parce que... Ok. Non, mais je veux dire, avec ton bat-chat, là, tu... T'es encore arrivé? Ah putain, faut attendre 18 minutes? Oh, oui, non, ça, mais, ça, je vais ça faire, c'est peut-être embêtant, ça. Puis si tout le monde a quitté la bataille... C'est ça. Ah, surtout les deux bat-chats quoi, ils sont encore les PZ1C, ils sont tous morts. Putain, mais elle a bugué la bataille quoi, j'ai l'impression. Oh, 18 minutes. Bon bah 10 minutes à tuer alors. Bah la prochaine fois on allez. Il faudra les deux. Bah on s'occupera de terminer la bataille, mais c'est bizarre, normalement Je suis en train d'uploader le replay pour que vous puissiez voir qui c'est qui a fait le plus de dégâts. Ou aussi vous avez un écran, enfin vous avez what, mais au milieu y'a rien. C'est le mode qui fait ça. Non. Ouais, c'est le mode ça. Et de quitter le jeu, de le relancer. Ah, ce que je viens de faire, mais. Bah, au milieu, y'a rien. Désinstalle alors. Ah merde. C'est quoi au milieu, y'a rien? Y'a rien. Bah, le char est pas revenu de bataille. Bah, c'est normal, ouais, la bataille est pas finie. Ouais, non, je veux dire, y'a même pas. Je peux pas même pas aller sur d'autres chars dans mon garage. Ah, mais enfin, c'est si, moi je veux. Hein. Faut désinstaller. C'est que t'as planté, toi. Ouais, redémarre. Mais c'est marqué en combat. C'est Zimbrek et Kraken qui sont toujours en combat. Mais attends, alors. On peut avoir le PZ d'un C sans. Ou il est bloqué? Non, il est bloqué. Il est bloqué. Bon, c'est pas grave, la prochaine on le fait en boss. Ouais, mais sauf que Zimbrek, il a pas l'air d'être là. Je vais le poke. C'est installé dans quoi? Dans ResMod, le mode? Oui. Ouais. Ah, ça y est. Ça y est. Ah, voilà.
égalité. J'ai la drôle. Au bout d'un moment, ça crache, ça fait quoi? Pourquoi mon matin c'est libre? D'habitude, j'ai jamais de problème. Bon. Ah, bien foutu. Alors, c'est bien, il y a un peu plus de joueurs maintenant. Hop. 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 9-9. Ah bah, qui c'est qui a plus de dégâts finalement? Alors, on va voir ça tout de suite. Donc, bon, c'est les matchas, hein. C'est Zakodak. J'ai même pas bélier et j'ai même pas mis de paric là. Zakodak avec 215. Et pourtant, j'ai pas bélier, j'ai pas mis de paric là. Alors, Zakodak, ici. Bim, voilà. Ah, de sa MES, c'est shit. En fait, à la fin, j'ai foncé full vitesse contre un mec alors que j'étais low life, et donc en fait, je lui ai fait 200 et j'ai perdu 20 points de vie qui me restaient. Ah, ouais, shit. Mmh. Tout est bon pour faire du dégât. Hein. Ok, ouais, le canon. Alors, oui, ça va tirer. Ouais, bah il est bien bugué. Hein. Deuxième map, c'est donc Tundra. Je vous envoie le lien. Alors, non, ça c'est bon. Ah merde, faut que je remette des obus, je pense. Oui, il y a un endroit, ça fait casse-gueule. Donc, cette fois-ci, attention, c'est 4 tours, parce que le circuit est relativement petit. Le départ se fait donc au spawn du sud. Donc, pareil, ceux qui sont au nord, assez tranquillement jusqu'au point de départ. Toujours, on suit la ligne jaune pour le point de départ. Donc, n'est pas obligé de suivre rigoureusement la ligne jaune, vous pouvez aller directement au croisement entre le jaune et le vert. Il y a où le doc en fait, où il y a les points? Il y a où le lien sur le jeu? Le TS. Je viens de le mettre dans le TS. Ah, je pensais qu'il était sur le site. Aussi. Il c'est sur le site aussi, oui. Change la map dans le site, la salle d'entraînement aussi. Oui, oui, oui. Alors, Tundra... Tundra... Ah oui, c'est là où la falaise elle est balèze. Ouais. La descente elle est rude. Pour faire bien quoi. Un scléry. Bah, pour toi. Ça doit être tendu. Hein. Ah donc, oui, là, celle-là les descentes elle est rude. Donc une fois que vous avez rejoint le circuit vert, vous avez alors, je l'ai marqué, hein, ça se sépare en deux, donc vous prenez le chemin que vous voulez. Et vous descendez là où se trouve la ligne verte. Donc vous devez passer par ce passage-là. Ouais. Une fois que vous êtes en bas, il faut remonter alors... Là, en suivant la ligne verte, vous n'avez pas le choix. Passez entre les deux rochers, donc on continue. Et vous continuez à suivre la ligne verte. Jusqu'à arriver au sud du circuit. Et là, vous rejoignez, comme vous voulez, de nouveau le croisement jaune-vert. Faire ça alors 4 fois. Et à la 4e fois, au lieu de tourner à gauche, vous continuez sur le circuit rouge. Jusqu'à la ligne d'arrivée. Est-ce qu'il y a des bonus comme dans Mario Kart sur la map où on peut trouver des kits de répar? À mon avis, il en faut 4. J'ai demandé aux développeurs de Wargaming de rajouter ça, mais ils ont pas voulu. Parce que là, 4 tours, il faut 4 kits de réparation. Un minimum. Minimum. C'est 4 par tour, attends. Non mais à terme, ça se trouve, c'est ce qu'il va y avoir parce que... Comment ça s'appelle? Comme il y a le mode domination avec des zones de réparation. Mais il est pas encore mis. Non mais ça peut être sympa quoi, donc, dans ce genre de... Préparez-vous. Attends, je vois pas encore pseudo deux fois dans le doc. Ok, encore tu me vois dans la game là. Qui c'est? On pseudo deux fois dans le doc là. T'as mis 4e et tu l'as mis en bas en dessous. Traquette n'est pas prêt hein. Ouais, t'es là. Ouais, parce que moi aussi, Papyrico. Laissez gagner dans l'équipe 2. Est-ce que t'as vu sur le Google Doc Okuni, il y a mon pseudo deux fois. Il est quatrième, mais en dessous, en bas aussi. Un peu plus bas. Pourquoi? Ah, au-dessus de... Fois. Ouais, bah tu m'as mis en dessous de 159. En dessous de 159. Quoi? Ouais. à droite, en dessous du classement principal, il y a... département de Gold et en dessous il y a Zakodak. Oui, ça c'est parce que c'est lui qui a fait le plus de dégâts pour l'instant.
Et tu l'as déjà mis en dessous là, dans le tableau. Oui, mais ça c'est mon petit tableau pour compter, regarde. Si je mets n'importe quoi ici, je mets 500 points, bah voilà. Ouais. Ah ouais, d'accord, ouais. FDG. Donc non, c'est normal. Et hop, le Too Strong For You. Il est pas dans le TS. Ok, donc vous avez des questions pour le circuit ? C'est bon. Comment on fait les bébés ? Non, seulement sur le circuit. Alors comment on fait les bébés sur le circuit ? Ah, juste une chose, à la descente vous poussez pas. Parce qu'en bas ça va être un cimetière. Ça va être tendu, hein. Ça va être tendu. Il faut arriver en tête à la descente. Oui, je pense qu'il faut arriver premier si t'arrives. Je pense que celui qui part en dernier, il est gagnant. C'est vrai, ça se fait pas. Pas sûr, parce qu'en bas il y aura tellement de carcasses qu'il pourra plus passer. Oh, coco, c'est bien vu. Too Strong, t'es là ? Ouais. Ça, c'est un coup à rester bloqué en bas, ça. Ah, ouais. Oui, une question. Si le dernier qui a envie, ce sera sans doute le gagnant, mais il sera obligé de dépasser la ligne d'arrivée ? Oui. Oh merde. Ah, c'est chaud ça. Hein. Et s'il meurt, ça fait quoi ? Ah, y'a personne. Non, mais c'est pas possible, vous êtes blindés, y'en aura bien un ou deux qui vont passer la ligne quand même. Eh ouais. Un ou deux. Ah, c'est vrai que la falaise elle est balèze là quand même. Je sens que ça va être. Ouais, bon. Mais arrêtez de faire vos pignoufs là. Voilà, écoutez. Bon, tout le monde est prêt ? Ouais. 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 C'est Papy qui va gagner tout ça. Et si malencontreusement j'amoura quelqu'un en le ramant, c'est considéré comme du cheat ? Non. Oui. Quoi que si on prend la vitesse, peut-être qu'on va passer au-dessus et arriver directement sur le rebord. Nulle part, ouais. Tu passes sur le circuit. Ah, faut que j'ai la nitro là. Surtout avec ça. Avec ça comme ça. Ok, le donc. Que, quand monté, tu prendre la vitesse. Je rappelle, ceux qui sont au nord, vous allez au point de départ sud tranquille. Sans vous rentrer dedans. Ceux au sud, vous placez correctement sur la ligne de départ. De nouveau, sans vous ramer. Et puis, bonne chance. Et j'espère que vous mourrez tous dans la descente, que je gagne. Donc, oubliez pas de vider votre rack à munitions avant le début de la game. Tutu. Ah non, ici, une descente, putain. Alors, du coup, et alors sur le pont, parce que là il y aura plein de gens qui auraient foutu les autres à la... dans le trou en fait. Ouais, mais ouais. Non, parce que le pont est trop large. Et c'est pas intéressant. On y a pensé, mais bon, voilà. Ok, donc placez-vous bien sur la zone, pas en dehors. Hein. Restez sur la zone du départ. Mais il y a presque personne qui a un camouflage sur son tank. Team break encore un peu plus sur la zone. Ça, ça coûte cher. Hey. Je pense qu'on laisse passer Kraken, comme ça il meurt tout de suite, on est tranquille après. Bah voilà, là t'es dans la zone, c'est bon. Il faut faire 4 tours. 4 tours de mer, ouais. Ouais, 4 tours. Et ensuite, donc prenez les lignes rouges hein, et jusqu'à la ligne d'arrivée. Alors, tout le monde est prêt ? Oui. Mais ok. On part à 28-15. Ça me rappelle quelque chose. Deux. Parti. À mort, Kraken. On va voir ce qu'on va voir. C'est pas con ça. Oh putain! Donc tu peux les mais suivre. Tu m'as poké en pleine partie là! Tu peux un peu les faire ça. Chier, mais sans trop les. Enfin, évite de les endommager. Putain!
bordel là-dedans. Vas-y. Ouh, ça va être drôle la descente. Oh sur une avalanche. Ah, Kraken en première place. Il a réussi à passer sans problème. Ah, c'est sûr que moi je me suis mangé un mec qui s'est détraqué. Ouais, bah, c'est ce que je fais. Oh là, ça y est, je suis. Non, c'est bon, ça passe. Ouh. C'est passé. Oh ma vache. Encore 3 descentes comme ça, tout le monde est mort. Bon, un kit de réparation. Ça fait un kit. Sans se détraque. Un kit de réparation. Il y a moyen de descendre sans prendre trop de dégâts et sans perdre trop de vitesse. Il y a moyen. Et je lui dis, il a fait un énorme saut, il a. Je fais le reste près de la ligne d'arrivée pour savoir qui y passe. Oh mon dieu. Oh merde. C'est ça qui est la merde, c'est dès que tu touches un char, t'avances. Ah, je suis le rebord de map aussi. Mmh. Oh, massacre. Personne n'est mort encore. Non. Malheureusement. Dommage, hein. Ça va pas tarder. Oh là là, le vol plané. Ouch. Ah bah, un kit en moins déjà. Il en reste plus que deux. Quoi? Comment on peut en mettre trois? Cheater. Je n'ai pas bouffé un pour l'instant. Et donc Kraken et Zakodak sont toujours en première position. Et cheat. Ouais. Mauvaise langue. C'est le deuxième tour ça. Non, c'est rare. Là, la Kraken et Zakodak sont au troisième tour. C'est toi qui tourne. Oh, bon dieu, tchao. Mais attends, ça va faire 3 fois qu'on saute de la colline. Ouais, bah c'est 4 fois. C'est 4 fois. D'accord. C'est comme ça qu'on va se repérer. Oui. Oula, est-ce qu'il y en a un qui va ramer Simo? Et est-ce qu'il y a une prime de risque? Oh là là. Oui, d'accord, Simo qui me lâche. Mais y a aucune assurance qui va vous assurer, hein, les gars. J'ai trop de retard là. J'ai l'impression que Artung a son moteur de cassé. Tu veux dire que là après c'est l'arrivée? Oui. Oh putain. Ouais, et puis moi je me crache dessus, putain. Je peux pas crever ailleurs, non? Bordel! Voilà. 14 points de dégâts. Ouais, oh, super! Oh, une cible! Je sais pas comment on a fait pour passer des tracks, la Kraken. Ouais. De toute façon, j'ai tenté le tout pour le tout, hein. Je me suis dit, allez, faut que je fonce. Ah, yes! Du coup maintenant faut faire des dégâts. Donc, Kraken premier, Zako deuxième, cette là, Kraken il est où, il est où. Mais le deuxième c'est moi. Putain il triche lui. Ouais. Judy. Troisième, 5 points. Nazulio. Quatrième, 2 points. Oh merde. Ouh, la cinquième place va être short. Ouh, c'est qui qui tire? C'est qui qui tire là? Pas de tir. Ah, le pauvre. L'enfer. Warfare, le dernier. Enfin, cinquième plutôt. Un point. Ah, j'ai perdu du temps là. Hein.
Pourquoi t'as tiré, Vico? Je trouve un mec full life. Est-ce qu'il y a un full life volontaire pour me foncer dedans? On cherche un joueur full life. Vas-y. Le mec a 200. Non, pas toi, je veux un full life. Tire à 10, tire à 10, viens vers moi. Ah non. Hey. Nope. Ah. Dans la hauteur. T'es fini, oui. Il en reste encore. C'est fini. Bon ben, terminé, hein, les gars. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous, c'est pont, moi qui viens. Tire à 10, est-ce que tu peux me foncer dedans, s'il te plaît? T'es où? Bah, je sais pas, je vois pas. Je suis à Kodak, 24 points de vie. Ouais, mais... Il est devant toi. Tu crois? À ta droite. Ah, à ma droite. À ta droite, deuxième, là. Deuxième. Voilà, oh non, t'es mort. Ah, bah, moi aussi, je suis mort. Ah, je perds pas trop points de vie, moi, mais j'ai perdu quand même un kit dans l'histoire. Je suis en reload. Laisse-moi te ramer. Non. On tire pas sur les filles. Ça, c'est allez, du c'est sexisme. Pas ça, madame, c'est du sexisme. Merci. On fait pas en plus, la c'est partie, la fête des fois. Mères, c'est pas sympa, ça. Seulement en France. Les Belges, ils sont plus rapides. C'est déjà fait. Ça va. Ah, tu m'arraques. T'en fous, aujourd'hui, c'est la fête anti-tabac, la veille du 1er juin. Quoi? Bah c'est vrai, t'as jamais percute. Qu'est-ce qu'on peut être con en France? Tu sais que t'as pu y aller. La bon, fête je vais me jeter du pont. Hein. Un peu vite. La fête du tabac, la veille du 1er juin. Faut bien droit, hein, bien droit. En te travers, c'est toujours mieux. Ok, bien joué. Donc, Kraken, première place 10 points, Zako, deuxième place 7 points, Judy, troisième place 5 points. Putain, Judy, triste. Nazulio, quatrième place 2 points. Enlève tes notes, Judy. Warfarl, cinquième place 1 point. C'est Rico Boss qui a les dégâts. 153, 100. Ah, c'est égalité. Ah non, putain. Warfarl. Ouais. Merde, c'est égalité, j'ai pas prévu l'égalité. Ouais, on va. Voilà. Attends, j'ai du spot. Un point tous les deux. Ah oui, c'est vrai, je lui ai donné le point bonus à... Il y en a qui fait un kill. Et alors... Warfare... War... Et... Nazu. Donc là, ça va un map. 53... Ouais, là, on va passer sur Overlord. Ok. Donc, Warfare... Un point bonus... Et... Nazu, il est où, là. Un point bonus. C'est un okay. Nazu Overlord. Ce sera plus marrant. Bref. Donc Overlord, c'est un seul tour. Dès que vous passez la ligne d'arrivée... Enfin, c'est pas un circuit, en fait. C'est juste une... Ouais, c'est une ligne, quoi. Ouais, pas mais les tracés ça, mais... sont quand même super sympas. Hein. Ouais, mais c'est dommage que ça bug. En plus, je stressais trop avec la mise à jour. Non, c'est vraiment cool, à chaque fois les tracés sont vraiment intéressants, c'est... Ouais, à part un moment, il y a le bunker qui est en plein milieu du tracé. Il y a un chemin qui fait de passer par-dessus. Bah, j'ai pas réussi, moi. Donc, Overlord, je vous donne le lien. On fait une ligne verte, c'est une ligne verte pour moi, on suit la ligne. Ouais. Tout droit. Il y a un chemin qui fait de passer par-dessus. Bah, j'ai pas réussi, moi. Donc c'est sur le jeune lag sur le TS. Oui, oui, c'est, bon. C'est parce que j'étais sur le TS pour ça en même temps. On fait une ligne verte, c'est bon. Une ligne verte pour moi, on suit la ligne. Le départ se fait tout droit. Sud-ouest. Vous devez rester à gauche des barbelés sur votre droite. Restez sur la gauche. Il y a un moment où il y a, d'ailleurs on le voit sur la map, il y a un bateau qui est à moitié sur le sable. Vous devez passer entre l'eau et le bateau. Dans l'eau, quoi, en fait. Faire un S et passer alors entre les dents de dragon et un débat de chat. Ensuite, vous continuez jusque tout au nord. Là, il va y avoir une carcasse d'un Sherman. Vous passez autour. Pour continuer, vous rentrez alors sur la plaine, enfin l'herbe. Là, en ligne droite, enfin, hein, ça c'est comme vous voulez, mais vous devez pas faire le tour du bunker.
Et ensuite, aller au moulin, passer entre le moulin et le bunker. Continuer tout droit, plein sud, jusqu'au bord de la map. Et là, il faut longer la ligne rouge pour monter sur les rochers. Ah, il y aura un bat-chat, et alors il faudra redescendre juste après le bat-chat. Continue alors. Ça. Ouais, c'est, tu verras. Il faut quand même aller sur le flanc de montagne. On passe oui, pas oui. Il y aura un bat-chat, donc il faudra passer entre la ligne rouge et le bat-chat. D'accord. Et ensuite, donc on continue, remonter sur la plaine. Et il y a deux bunkers qui sont au bord de la falaise. Vous devez passer entre le bord de la falaise et le bunker. Ça va être tendu, ça. Donc pour les deux. Sachant que le deuxième, je vous le dis tout de suite, c'est chaud. Ouais. Et ensuite, sur la gauche, il y a une espèce de toboggan. Vous passez par là pour arriver sur la ligne d'arrivée. Voilà. J'adore les toboggans. Juste une question. T'as dit que le bunker, là, vers la fin, vers la ligne d'arrivée, faut qu'on passe sur la gauche ou sur la droite? Sur la gauche, donc entre la falaise et le bunker. Ah, donc il y a vraiment pas beaucoup d'espace. Il y a vraiment pas beaucoup. Non, ouais, et donc en l'occurrence, si quelqu'un se fait buter dans l'espace, on fait comment? Ouais, bonne question. Eh ben, si vraiment faut être premier. Ce qui a priori, ça n'arrivera pas parce que. Enfin, voilà, je m'en occuperai, un des batchats poussera la carcasse. Ouais, et ceux qui arrivent derrière, ils devront attendre ou passer à côté du bunker? Non, tu te démerdes, mais tu restes sur le circuit. Faut être premier, comme ça t'es pas emmerdé. Bah justement, c'est le premier, Waouh, derrière le bunker, on est un peu ralenti, le deuxième le rame à full vitesse. Ok, préparez-vous. Et si le premier fait la pute, il reste. Bonne chance. Bunker, oh, il va se faire ramer, le premier. Il va se faire ramer, il va se faire des gains. Attends, je suis pas prêt, moi. Oh putain, pourquoi il me... Rocker, Zimbrek, Syra. Attends, ouais, j'arrive, je suis pas prêt, je sais pas pourquoi. Hop, ça y est. J'ai pas d'invite. Qui ça? Robert Gold. Bah, t'es dans la liste. Ouais, t'es dans la liste, ouais. Faut mettre juste prêt. Juste combattre. Tu cliques combattre. Dans mon garage, je vous rejoins comment maintenant? Tu cliques combattre. Combattre. Prends le bon char aussi. Voilà. Voilà. Ok, vous êtes prêts? Merci, c'est allez. Bon. Allez, c'est parti. 30 minutes. Go. C'est une nouvelle map. Après, je propose un événement. On est tous au Panzer 1C, moi je prends un char tier 3 pour tenter de me tuer. Oui, oui. Tu prends quoi, Panzer 2J? Celui qui arrive à me tuer, il reçoit un truc. Moi je veux bien. Ça va être du RAM, et du RAM. Ok. Laisse 20 tonnes. Ok, donc vous mettez convenablement au K1 sur la ligne de départ sans vous ramer. Vous pouvez vider votre barrière avant le début de la course. Ah oui, c'est vrai. Par votre hack, et ensuite vous vous placez comme il faut. Piou piou, motherfucker. Par contre, je pense qu'on peut pas monter sur les rochers. Hein. Si, si, j'ai testé. Si, si, on peut. Avec Zako, on a vu. C'est tout à fait possible. Il faut bien longer la ligne rouge. Si vous partez trop sur la droite, vous allez glisser. Et si vous glissez, vous pouvez faire demi-tour et retenter. Bien entendu. Il lance le char. Dans une vidéo. Oh merde, j'ai eu peur. Une espèce de vol plané. Magnifique saut de Rico Boss qui a dû endommager ses chenilles. Non, même pas. Ah bon? Ouais. Demain. Ah, c'est ça. Ce sont pour you. Au skill. Faut bien tomber, ouais. Bon, vous avez tous vidé votre hack? Ouais. Eh, t'as pris combien de balles, Rico? 60. Ah bah, t'as mis longtemps à les tirer. Ennemi droit devant. Cool. Là je vais à 90. Donc le bateau. Ah mais nous on est mal placé, nous on arrive, ils sont tous bien en face là. Donc mettez-vous bien dans la zone de départ. Alors pour. Non, bon normalement vous me voyez. Vous devez donc passer entre le bateau qui se trouve là où je suis. C'est celui une sorte de paquebot un peu. Ouais, oh, un peu bateau de débarquement. Cracket, motoloc. Ouais. Sur toi. Sur la... Donc entre le bateau et l'eau. Attends. Et ensuite entre moi et les dents de dragon. Qu'est-ce que t'appelles dents de dragon? C'est les. Il y a les flammes qui sortent. Et les pointes, ferraille. C'est oui c'est ça, c'est les trucs en. Les étoiles anti-char. Périssons check, ouais. Voilà, et par contre n'essayez pas de les casser. Hein. Je dirais pas.
Enfin, vous pouvez essayer, mais... Ça marche pas bien. Tu vas se planter dessus. Donc, y arriver quand t'es full vitesse. Bien... Non, ça, j'ai testé. Mais enfin, ça arrête ton tank, hein, ça arrête ton tank. Bien passer entre moi et les dents de dragon, ceux qui passent derrière moi, c'est un cachot dans le cul. C'est bon. Alors, on va partir à 27-40. J'entends. Gros chien. Espèce d'apôtre. Donc entre le bateau et l'eau, hein, d'abord. Oh, le drift. Devant toi, derrière toi. Devant moi. Non, entre moi et les dents de dragon. C'est un peu le bordel. Ah, entre moi et les dents de dragon, hein. Mais pas 36 000 dents, hein. Bon, j'ai une rouge, là. En A1, il y a une carcasse de Sherman. Ah, il y en a un qui passe à droite de Sherman. Pas bien, j'avais dit. Qui, ça vaut... Heureusement, j'ai rien vu, hein. J'ai pas eu le temps. Je peux donner les noms. Ah, ouais, tant pis pour cette fois. J'ai pas vu. Donc, équipe verte. Enfin, ouais. Équipe de... On est tous bloqués aussi. Dis le nom du bas chat pour définir l'équipe. Ah, comment équipe Okuni ou équipe Bryern? Bryern. Équipe Okuni. On est trop strong. Tant gold à la dilation, les gars. Déco, break à gauche. Pour la et frappe. Donc là, bunker en C8. Putain, je lag. Merci. Hop, point de cap, c'est bon ça. Ouais, ok. C'est joli. Zako, t'as fait la grosse pute. Ouais, j'étais bien troll. Cette carte est quand même magnifique. Hein. Ouais, ils ont bien fait ça. Bah après, j'étais bloqué parce que j'ai passé du mauvais côté du bad chat. Je trouve que c'est plutôt moche. J'ai dû faire tout le tour. Ok, ensuite, entre le moulin et le bunker. Et Okuni, à la limite, je te rattrapais, hein. Ouais, non. Prochain point, c'est entre Brain, donc le K4, le et la ligne rouge. Le saut de sac. Oui, le saut. J'ai pas vu ça. Je me rappelais plus que ça sautait comme ça. J'ai ralenti, hein, parce que sinon... comme il fera. Oh. Comment il a fait pour aller là? Donc... Putain... Aïe, un point de vie. C'est bon ça, hein. Et là on descend ou quoi? Oh, là vous putain. Descendez dans les... Ah bah dans c'est les buissons. Bon. Ah là tu glisses là. Ouais. On est obligé de remonter? Ouais. Ah, je suis bon. Ah là, vous êtes vaches, les gars, là. Les gars, c'est entre le bad chat et la ligne rouge. Et là, qui triche, là. À un moment, j'étais plus pote. Comment que ça se fait que j'ai autant de chars devant moi, comme ça, là? Y'en a qui ont triché, là, hein. Ah bah, j'ai le bad chat devant moi, ça. Y'en a qui sont pas passés par le bon endroit. Ah ouais, hein. Ouais, on a noté. De toute façon, y'a les replays, après. Zakoda qui est largement premier. Ah, j'ai le temps de prendre mon temps ici. Ouais, ouais, c'est bien par là. Ah, c'est à gauche, hein, du bunker, hein, c'est ça? Ouais, y'a plein de petits cailloux qui te gênent en plus. T'as vu qui n'a pas passé comme il faut? Là aussi à gauche? Ouais, lui il est tendu, attention. Ok, c'est bon. Oh bon dieu de merde. Putain, ils auraient pu appeler le terrain. Ah non! Allez!
Oh, oh. Kraken, okay. Tu sais, Okuni, si jamais j'avais pas fait le con à passer derrière toi, j'aurais pu avancer. Yes. Ouais. Oh, je suis passé derrière toi tout à l'heure. Allez. Oh merde. Il s'est planté. Ouh, ouais, ouais, j'aimais. Comment finir? Non, t'es pas mort. Non, je l'ai pas tué. Elle est si fou. Ah la louche. Quoi. Allez, Mickaël. Avance, Mickaël. Okay. Allez. Reculer. Troisième, je crois, non? Mickaël. Ou quatrième, je sais plus. Il va dire, Kraken, il va se venger là. Oh là là. Arrêtez vos conneries. Kraken, et j'ai oublié le dernier, et Vico, c'est ça. C'est fini, non? Alors, Syrah, Kraken... je crois que t'avais lié, toi. Ouais. Kraken... Ouais, très mal. Il faut contrer Zako. On ouais, a des points en plus quand j'ai on la compétence contre Zako. Oh putain. Allez, il a failli non, cinquième, me rentrer dedans, ce truc. C'est Vico, non? Alors ça, ça mérite d'être dans le replay, ça. Ah, dans la vidéo, le truc qu'il a fait. Rudy, tu vas mourir. Allez, entre verts, tu te fais pas de dégâts. Oui. Je préfère rentrer dans un full life en fait. Si jamais il y a un full life qui veut se rentrer avec moi. Ok, bah essayez de choper un max de points de dégâts maintenant. Oh la loose quoi. Attention, juste avant. J'arrive. Oui, c'était la surprise. Oh la déception quoi. Parce que oh là j'ai là 3DM. T'es sûr que t'as pas de dégâts? Non, j'ai pas, mais bon, c'était full life, full vitesse alors. Là, il y a un replay à ralentir. Là, en fait, on était à 60 chacun, c'est comme s'il y avait une collision à 120 km/h en fait. Mmh. Donc, c'est pour ça, quand t'as un point de vie, tu peux ramener un mec à 100 points de vie, ben tu peux le tuer, mais toi aussi. Ouais. Ce que j'ai fait à la première partie, j'étais low life, j'ai tué un mec full life. C'est ça que j'avais eu. Il aurait fait détraque le bas de chat. Ouais, tu m'as détraque. Bon, je reload. Bon, et ben voilà. C'est con, j'ai la ligne d'arrivée, je me scrape. Je t'en remercie d'ailleurs. Et moi donc, j'avais oublié que ça descendait comme ça. Oui, il y en a un qui est mort à côté de moi. Ouais, c'était fait exprès. Ok, bien joué. Bah merci. Hein. Je vais les gars. J'espère que c'est moi qui ai fait les plus de dégâts. Oh yes. Des Zakotak, putain. Eh, tu sais que si jamais j'avais pas les dégâts, j'étais à égalité. Tu vas voir ce classement. Donc Zak. Kotak avec 183 points. Moi je crois que j'ai. Kotak donc a un. Il faudra bien regarder ceux qui ont triché quand même. Hein. Ouais. Ça serait sympa de les regarder quand même. Ouais. T'inquiète, ils ont. De toute façon, ils ont gagné aucun point. Et là, c'est 20 points de pénalité. Hein. Ok, bah voilà. Classement est fait. Donc Zako a 2 points plus bonus. Donc pour cette course-ci, Zako est arrivé premier, deuxième Warfarl, troisième Syrah, quatrième Kraken et cinquième Vico. Ce qui donne un classement total, donc Kraken première place, tu gagnes donc un code bonus, plus 150 Ouh, gold. Merci. Zako deuxième place, pareil mais 100 gold. Warfarl troisième place, pareil mais t'as que 50 gold. 4ème place Rico avec 250 gold, 5ème place Syrah avec 200 gold. Bah, merci, tous les autres joueurs ont 145 gold et Zakodak tu gagnes 10 points en 10 gold en plus parce que t'as fait le max de dégâts à 215 points. Ah, t'as quand même réussi à rentrer dans le top 5 Kraken alors que je t'ai bien éclaté au début. Bah ouais, parce que j'ai bien fait la pute aussi auprès d'un bunker là, j'ai failli tomber d'ailleurs. Bah Kraken est arrivé deux fois premier hein. 20 points. Ah, tu sais, Kraken, si les mecs n'étaient pas dans le top 5, c'est moi qui gagnais là. Ouais, mais j'ai bien vu que t'avais fait la pute, mais tu vois, j'imaginais pas que tu serais capable de faire ça. On s'est dit pour au début, pas ça. J'aurais dû le savoir, la prochaine fois je me mettrais pas à côté de toi. Et ça, c'est envoyé comment les 200 gold et tout ça en bonus ouais, ou quoi en... Là, non, ça va être directement crédité sur votre compte. D'accord. Et le code bonus, normalement vous recevez le code. Ouais, mais je l'ai déjà gagné, okay. J'étais 127, c'est ça. Tu nous envoies un MP, c'est ça ou... C'est Tanatoy qui va non, vous envoyer un message via le forum. Ça marche. Ou via un mail, je sais pas. Ça, voilà. Il y a du gold. Ça, gold. Ouais, il donne la valeur en gold. Voilà, donc vous en faites ce que vous voulez, ça vous doit. Alors, Rico Boy 94, c'est... Le code bonus. Je crois qu'il y a une limite d'utilisation de code bonus, on peut pas en balancer autant...
Ça, je sais pas. Ok, j'espère qu'il sera valide. Voilà, donc je m'occupe ça après l'event. Bah, ça va être l'event de l'autre. C'est bien, on a terminé à l'heure. Ouais, c'est parfait. Il y en a qui participent ou pas? Ouais. On non. était 5 à 6 à participer. D'accord. On va s'y retrouver. Voilà, donc hop, je quitte ça. Donc vous pouvez désinstaller le mode maintenant, il n'y a plus de soucis. Okay. Et alors, François, je me déplace. User left your bon bah merci bien. Ouais, merci à vous. 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 Ciao. Salut. Salut. Merci, salut. Hein, vous avez déjà une idée pour la prochaine? User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Avant les vacances quoi. Ouais ouais nickel, ok, ça marche. C'est bien, ouais, c'est une semaine avant les batailles historiques votre truc. Allez, je vous dis merci à tous et puis à bientôt. Ciao ciao. User disconnected from your channel. Ah ouais, ouais, vas-y, coupe.